Eh bien, bonjour tout le monde, c'est MonsieurPierre516 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la construction du stade de foot, donc épisode 3 aujourd'hui. Hein, si vous n'avez pas regardé les deux premiers épisodes, je vous les conseille. Voilà, et pour ceux qui ont regardé les deux premiers épisodes, j'ai changé quelque chose. Déjà j'ai monté un peu les murs comme je l'avais dit, mais j'ai fait plus arrondi et tout, j'ai tout changé les coins, donc les quatre coins ça m'a pris pas mal de temps. Sachant que je rappelle, hein, le terrain fait plus de 100 blocs de long sur une... Ouais, un peu plus de 60 de large, donc il y a quand même une bonne distance de terrain. Et du coup ça m'a pris pas mal de temps. Voilà. Donc bah aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer le toit de la, comment ça s'appelle, du stade. Donc on va commencer tout de suite. En fait, si vous préférez, je vais tracer une espèce d'anneau tout autour du stade et ensuite je remplirai toute la partie extérieure et je laisserai du coup la partie intérieure et ça fera la partie enfin, pour pouvoir éclairer le stade par la lumière artificielle. Pas artificielle, justement. Excusez-moi. Alors, on va se mettre à 3 blocs. Attendez, ça c'est les tribunes. Un bloc, deux blocs. Alors, on va se mettre à deux blocs là, comme vous voyez l'ombre. Deux blocs des tribunes. Comme ça, donc ceux qui seront en bas, ils seront éclairés. Hein. Ils ont de la chance. Et on va tracer une sorte d'anneau tout autour du stade, comme ça. Donc là, pour commencer, on va faire un carré. Rien de plus simple. Alors, j'espère que le son, ça devrait aller. Un peu trop loin. Faites attention. Est-ce qu'on est à deux blocs là? On continue. Donc vous vous demandez pourquoi je n'ai pas encore fait les cages de foot. Peut-être, hein, si vous vous demandez. Tout simplement, je ferai sûrement dans le dernier épisode décoration, ou peut-être que je les ferai hors caméra, mais je pense plutôt les faire avec vous, ce sera plus sympa. Donc voilà. Ok, j'étais bon. Ah. Y a pas de musique de Minecraft pour le moment, c'est assez bizarre. Vu que j'ai mis le son, bien sûr, vous l'entendez sûrement. Non, je vais baisser un petit peu. Bloc, on va mettre à 45 parce que sinon c'est un peu fort. Vous entendez encore ma souris brunée, hein, c'est normal. Tout à fait normal car mon micro entend tous les bruits et c'est pas un casque micro. Alors et ouais, j'étais encore bon. Donc là j'ai sorti l'épisode 3 du coup un petit peu en retard. Du coup j'ai pris un petit peu de retard parce que j'ai monté les murs et tout, et puis vous voyez que je sors une vidéo par jour grosso modo. Je suis pas mal occupé sur d'autres séries et puis sur les serveurs et tout, donc en même temps des fois je fais je m'entraîne au PvP en Eurogames, je me fais plaisir aussi, donc j'ai pris un petit peu de retard, mais vous inquiétez pas, de toute manière j'ai programmé, hein, de toute manière le dernier épisode devra sortir normalement, si je dis pas de bêtises, le jour de la finale du mondial 2014. Et le quatrième épisode, du coup c'est juste avant, sortira vers la fin des demi-finales. Voilà, donc tout est programmé en fonction de des matchs, voilà. Donc c'est bien beau, on a tracé un carré, ok, c'est super joli, on va se laisser là, allez à la prochaine. Non, c'était pour rire. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des arrondis là dans les angles, là aussi, bien sûr, sur les quatre angles.
Donc voilà, admettons, on va partir de là, alors du dixième bloc. Alors attendez, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 12, 10, ouais, 12, 12, 12, 12, c'est plutôt pas mal. Alors on va faire comme ça, 3, 4, 3, 2, je vais voir comment ça fait de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, et normalement 1, 2, et c'est bon. 1, 2, voilà, nickel. Ok, bah ça. Attendez, il y a un petit défaut, j'ai l'impression. Ici, j'ai refait 3. Donc, attendez. On va corriger ça. Voilà. Comme ceci. Ouais. C'est pas mal. Donc, on va faire ça de tous les côtés. Donc juste pour information, hein, si vous suiviez la map Leclerc, enfin la série du Leclerc, la construction du Leclerc, pour le moment elle est en stand-by jusqu'à temps que bah, justement j'ai fini ce stade de foot, mais vous inquiétez pas, ça reprend après. Voilà, c'était une petite information. Attendez, je crois que j'ai mal compté là. 3, 6, 9. Ah non, 12, c'est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Alors, 4, 1, 2, 3, 4. 1, là, reviens là. Ah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je vais juste regarder. Il y a toujours un défaut, hein. Non, ça va pas. Ah, j'ai fait une petite erreur. Alors, on va mettre 4, ensuite 3, là c'est bon, on a 4, 3, 2, comme ça, là ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. J'avais fait une petite erreur, du coup je regarde, donc c'est 3, ensuite 2 et ensuite 1. Voilà. Voilà, comme ça, c'est bon. Alors, est-ce que ça fait une belle forme? Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va continuer de l'autre côté. Bon, voilà, nickel. Alors, il ne reste plus qu'un côté et c'est bon. On a fini.
dernier côté. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et bien voilà, terminé pour pour ça. Voilà, je me perds un petit peu dans mes mots. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, attendez que je regarde de haut comment ça fait quand même. Ouais. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout remplir, donc la partie extérieure, donc celle qui va rejoindre des murs là à l'anneau. Enfin, c'est pas vraiment un anneau, mais bon, je sais pas comment appeler ça. Et donc je laisse la partie intérieure qui fera donc la luminosité pour le stade. Donc ça évitera qu'on soit dans le noir total et puis que du coup les spectateurs ne puissent pas voir et que les joueurs ne puissent pas jouer. Voilà. Donc on se retrouve après que j'ai tout rempli, donc j'en ai pour un peu de temps. Oh. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour vous. Donc je le fais et je vous dis à de suite. Allez, à tout de suite. Et bien, re tout le monde, voilà, après une heure et demie au moins de poser des blocs, j'ai enfin réussi à faire une belle forme, je pense. Bien sûr, là c'est plutôt brut, hein, parce que c'est tout uni, c'est que la même couleur et tout. On modifiera ça, bien sûr, dans le dernier épisode décoration où je ferai hors caméra. Parce que c'est vrai que là, ça fait un peu beaucoup blanc. Et donc voilà, donc on va un petit peu, ouais, on va un peu éclairer quand même, parce que comme vous pouvez voir, il fait très 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 sombre. Du coup j'ai replié un petit peu là vers le bas comme ça. Ça fait plus joli, parce que sinon ça, en fait j'ai rajouté une épaisseur en quelque sorte, parce que sinon regardez, là j'ai monté d'un. Et là j'ai redescendu, sinon ça faisait, pour que ça soit un peu bombé, regardez de l'intérieur comment ça fait, sinon ça faisait plutôt une forme de, enfin une forme toute plate, et c'était pas forcément ce que je recherchais, donc je préférais faire comme ça. Voilà, donc on va éclairer un petit peu, on va peut-être pas éclairer comme ça, ou allez si, c'est pas grave. Alors. Ah oui, excusez-moi, je vais juste redémarrer mon chrono. Parce que sinon, je ne vais pas savoir. Attends, deux petites secondes. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Donc là, ça sera plutôt bien torché, hein. Bien sûr, ça va rester comme ça parce que c'est pas très très joli. C'est juste pour éviter un maximum les chauves-souris, parce que après c'est un peu chiant, parce qu'elles restent et j'aime pas, enfin c'est pas, ce sera un peu chiant de les tuer toutes, sachant qu'il y en a quand même pas mal. Voilà, comme ça. Donc on va éclairer un petit peu au sol aussi comme ça. Je pense pas qu'on mette que des torches, on mettra aussi de la glowstone et puis des lampes redstone aussi, incrustées surtout au sol et un peu en l'air aussi, on verra. Alors après ça, qu'est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas, je ne sais pas. Genre
fini d'éclairer. Voilà, c'est bon. Ok, donc c'est... Ça fait un peu bizarre, on dirait des touches de marron sale. Ça fait comme si le mur était sale. Bref, c'est pas grave, on va pas se focaliser là-dessus, hein. c'est pas très important. Alors ce que je vous propose, bah, c'est qu'on fasse les cages. Car oui, j'ai dit que je les ferais sûrement dans le dernier épisode, mais bon. Vu que j'ai pas tellement d'idées là pour cet épisode-là, je vous propose du coup de les faire maintenant. Alors si je trouve ce qu'il me faut. Alors toile d'araignée, on va essayer avec les barreaux en fer et les toiles d'araignée. Attendez, je regarde s'il n'y a pas autre chose encore mieux. Non. Et sinon on va prendre pour le reste alors de la laine. Elle est où la laine? Laine blanche. Je veux de la laine blanche. Non. Elle est là. Alors. Il n'y a pas de blanche. Elle est où? Alors là, c'est la meilleure. C'est d'autres moi qui la vois pas. Je suis un peu fatigué là. On va la rechercher directement. Laine blanche. Ouais, non, elle est pas très très blanche. On va prendre plutôt du quartz. Voilà, on va prendre du quartz. Ah non, pas des demi-dalles, excusez-moi. Voilà. Alors, on va la faire à partir de là. Donc, on va faire 4 de hauteur. Ouais. Donc, des grandes cages de foot. Taille XXL, hein. Voilà. Alors, de ce côté-là, on va essayer avec les barreaux. Et du coup, de l'autre côté, on va essayer avec les toiles d'araignée. C'est compliqué de les poser. Voilà, donc après on peut faire ça comme ça, c'est une idée, hein. Une idée comme une autre. Non, 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 tu te poses pas là, toi. Voilà, donc là ça peut être une idée de cage. Moi personnellement, je la trouve sympa. Après, chacun son goût, hein. Est plutôt pas mal. Bon, on va bien voir avec l'étoile d'araignée maintenant. Alors, comme ceci, ça c'est un peu plus facile à poser. Ça, c'est cool. Pas pour autant que je dois en mettre partout. Là j'en oublie. Ça c'est pas mal l'étoile d'araignée par contre pour faire des nuages. Hein. Je sais pas si vous connaissez, mais je trouve ça sympa pour les nuages. Donc là ça ferait un filet plutôt très épais. Ça reste à voir. Alors. Qu'est-ce que ça va rendre? Voilà. Alors, moi, je pense que... Je regarde. Je pense que c'est la meilleure solution. Après, on peut aussi faire ça. Pareil. Je sais pas ce que ça va donner. On peut même faire... Attendez, j'ai peut-être une idée. Si je les trouve, ah oui, c'est dans là. Je m'y perds vachement dans les dans l'inventaire. Moi, je suis un pro pour me perdre.
Voilà. Moi, je dis à son. Personnellement, moi, je voterais plus pour celle-là. Après, est-ce que je peux mettre ça comme ça? Après, il y a plein d'idées, hein, bien sûr. Tout le monde n'a pas la même idée. Bah, vous savez quoi? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous préférez donc celle-ci, donc avec les toits d'araignée et avec ce style-là avec les barrières. Ou si vous voulez juste modifier quelque chose, vous me le dites hein, dans les commentaires. Donc, soit ce modèle-là, soit celui-là. Donc, à vous de choisir. Comme ça vous permet d'interagir dans cette série. Donc, bien sûr. Je citerai si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Hein. Mais je pourrais citer les noms des personnes qui m'ont donné les idées. Donc, alors, vous me dites soit celle-là dans les commentaires. Et donc, bah, celle qui aura le plus de voix, ou celle qui aura été le plus choisie, bah, c'est celle que je mettrai dans le dernier épisode. Donc, vous avez jusqu'au dernier épisode, donc jusqu'au 13. Attendez que je me souviens bien. 13 juillet pour mettre dans les commentaires de cette vidéo si vous préférez ça ou ça. Voilà, tout simplement. Donc ce sera à vous de choisir. Voilà. Ou sinon on laisse une comme ça. Non, quand même pas. Alors, je vois que mon PC fait beaucoup de bruit, excusez-moi. On va pas s'attaquer aux tribunes tout de suite. Et vu que c'est plutôt bientôt la fin, on va juste faire un truc, c'est-à-dire ça. Attendez, je vais regarder les barrières. Alors elles sont là. Excusez-moi, elles sont là. Voilà. Et je cherche juste quelque chose qui pourrait ressembler. Au pire, on va prendre de la laine jaune, hein, c'est pas très grave. S'il n'y a rien d'autre qui ressemble mieux. Ouais, bah, on va prendre de la laine jaune. Alors, tout simplement, on va faire les corners. Hop là, comme ceci. Ouais, non, c'est un peu moche. Comme ça. Ouais, là, c'est un peu bizarre. Voilà, point de corner. Ouais, c'est pas très joli, hein. Au pire, comme ça. Voilà, comme ça ira, hein. On va pas chipoter. Et en même temps que j'y pense, hein, dans les commentaires, vous pouvez aussi mettre des idées hein, que je peux rajouter sur le stade. Donc si vous avez des idées, bien sûr, hein, les commentaires sont faits pour ça. Voilà. Mais surtout n'oubliez pas hein, de voter soit pour cette cage, soit pour cette cage. Donc si vous avez une chaîne YouTube et que ça vous prend pas trop de temps quand même de voter, hein, vous votez soit la cage celle-ci, soit celle-là. Et puis voilà. Tous ceux qui ont une chaîne YouTube, je vous invite donc à participer. Merci. Alors, du coup, on va éclairer un petit peu. Donc, faudra aussi qu'on fasse attention. Donc, les vestiaires seront par là. Donc là, ça sera la sortie. J'ai fait combien là? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non, là, j'ai fait 1, 2, 3. Voilà, donc là, ça sera la sortie vestiaire et de l'autre côté, du coup, ça sera. On verra. Et donc, arbitre de gauche, arbitre de droite. Et puis voilà. Bon, bah, je pense qu'on va se laisser là sur cet épisode. Hein. Il n'a pas été hyper long. Mais on a fait quand même déjà tout le toit, hein, comme j'avais dit. Donc, épisode 3, le toit. Hein, ça rime. Et donc, bah, moi, je vous donne rendez-vous. Très bientôt pour l'épisode 4 dans lequel on fera les tribunes.
Et puis voilà. Et dans l'épisode 5, je le rappelle, on fera la décoration finale. Donc n'hésitez pas du coup à voter pour soit cette cage-là, je la remontre une dernière fois, je sais que j'ai déjà montré, mais voilà. Celle-là, donc voilà, ou bien encore celle-là. À vous de choisir. Et sur ce, moi je vous dis rendez-vous à la prochaine. Allez, ciao ciao.